Honte à vous. 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 Honte à vous, les gens du canal d'or. Je vais m'asseoir. Je vais clasher les canals d'or. Je vais clasher les téléspectateurs. D'accord? Parce qu'il est hors de question. Hein? Vous faites les canals d'or. Vous ne pouvez pas inviter les blogueurs et les blogueuses. Vous pensez que quoi? Hein? Les canals d'or. Il n'y a pas de blogueurs. Il n'y a pas de blogueuses. Les gens n'applaudissent même pas. Vous allez nous ignorer jusqu'à quand? Hein? Vous allez nous ignorer jusqu'à quand? Hein? Je suis en train de... Ouais, on m'appelle. Je suis en train de boire mon vin. Maman, on m'appelle. On m'appelle. Je vous laisse, on m'appelle déjà. Les canals d'or, pas de blogueurs, pas de blogueuses. Alors que si vous invitez les blogueurs, je suis la meilleure blogueuse du Cameroun. Je mets ma robe de soirée, je descends au Cameroun, je monte sur les marches. Vous ne voulez pas. Parce que les gens viennent vous raconter que les blogueurs sont les qui. Les blogueurs sont quelque chose. En Côte d'Ivoire, on reconnaît les blogueurs, on reconnaît les blogueuses. Hein? Vous, les canals d'or, si on ne parle pas sur Facebook, qui va vous voir? Qui regarde la télé? Qui regarde? Hein? Vous faites les canals d'or. La personne qui a canal d'or, on appelle ça que quoi? Comment? Les canals d'or. Les gens sont là même, ils sont comme s'ils étaient constipés. Ils n'applaudissent pas, les Camerounais. Manque d'encouragement. Flore de YouTube bavarde, tout. C'est vous qui me donnez l'inspiration, vous bavardez. Hein? Les canals d'or, il n'y a pas de blogueuse. Franchement, la honte de ça. Croyez que qui va parler de ça? Que la magouille, la magouille, la magouille, payez combien quand les gens gagnent? Un petit pays vous a largué ça. Que les gens, mais vous donnez les prix aux gens qui ne viennent pas. Hein? Je vous dis, que quelqu'un d'autre organise les choses à la place du canal d'or. Vous manquez le respect aux gens. Hein? Vous manquez le respect aux gens. Hein? Si on te boit mon vin, Roha. Le président Chop Chop. Le président Chop Chop, tu es mon frère. Où est Ming Moura? Hey, maman, la chaise est tombée. Où est Ming Moura? Dis à tes patrons de mettre les blogueurs dans la liste. Que ton beau patron là arrête de mettre les gens qui ne... Qu'est-ce que tu sais? On va te donner le prix en tant que qui? Franchement. Envoie-moi les étoiles, je vais arrêter de boire. Canal d'or, où c'est canal d'or? Vous ne mettez pas les blogueurs. La place des blogueurs sont où? La place des blogueurs. Dev Chavou. Francis Agro. Hein? Canal d'or qui donne les prix aux gens qui vous manquent le respect. Ils ne font pas la publicité. Imagina Purity, mon bébé. Envoie-moi les étoiles, mon amour. Hein? Canal d'or donne les prix. C'est bien bébé. Les gens donnent les prix aux gens qui n'assistent même pas au canal d'or. Tu vas toujours boire. C'est mon dernier verre, mon bébé. Arrête. Je suis à Lyon. Après, je vais à la tontine chez maman Féfé. Je m'avais dormi. La machine te boit un très bon vin là. Mais tu es dans son direct au lieu de vaquer à tes occupations. Je te dis, ma soeur. Je suis là. Marco, je dis que les canals d'or. Maman. Attends, je pose là-bas. Les canals d'or. Maman, je suis fatiguée. Eh, Seigneur. Je vais mettre ça. Les canals d'or. Vous organisez soi-disant remise des prix. Les gens vous manquent le respect. Ils ne viennent pas. Là où je suis, laissez-moi te boire mon vin. Après, je pars Njoka à la Réunion. Le corona a failli nous finir. Je pars chez maman Fefe à la guillotière. Je pars à la guillotière boire les champagnes. Il y a la poule. Le bâton de manioc, le sanga. Il y a le sanga aujourd'hui. Il y a le sanga à la guillotière aujourd'hui. Je ne vais pas manger le sanga. C'est ça qui est ça. Je bois le champagne à gogo.
Donc, étant de dire que je vais aller tout à l'heure. Aujourd'hui, non. Attendez, je suis là. Donc, mais comme ça, comment ça reste? Mais là. Donc, j'étais en train de dire que les canaux d'or, vous manquez le respect aux blogueurs. Je parle calmement parce que vous êtes une chaîne, la première chaîne privée du Cameroun. Et moi, je vous respecte, hein. Mais j'ai un problème. Pourquoi vous donnez au prix aux gens qui vous manquent le respect, qui ne viennent jamais? Moi, vous m'invitez, Fleur de Lille, depuis la France, la meilleure blogueuse. Je prends mon billet d'avion, j'arrive au Cameroun, je fais un aller-retour. Ils ont donné les canards à la reine galloise. La reine galloise, normalement, elle mérite un canal d'or pour ce qu'elle a fait pour les enfants autistes. Les gens sont assis au canal d'or constipés. Les Camerounais, vous me découragez. Pourquoi vous n'aimez pas applaudir? Vous êtes là, vous moussez dans la salle. Tout le monde mousse, même Mimbon, Mimabibé, avec les Nyangono. Ils sont là et moussent, ils n'applaudissent pas. Hein? C'est quoi? Les Mimbon, Mimabibé, avec les Nyangono, sont aussi là et moussent. Les artistes buzz. Parce qu'il y a les artistes vrais et ceux qui font le buzz. Un artiste du buzz n'est pas un vrai artiste. Un artiste du buzz est un artiste instantané. Donc il brille une journée, deux, trois jours, un mois après, on l'oublie. Les grands baraques, ils sont assis dans la salle et n'applaudissent pas les vrais artistes comme les ténors. Les Camerounais, je suis découragée d'être Camerounaise. Les canaux d'or, vous êtes là, on donne le prix, vous ne pouvez pas applaudir. Applaudir vous dépasse, on paye. Donc, il y a la corruption pour applaudir. Vous pensez qu'encourager les gens, c'est donner l'argent. L'argent ne sert pas à tout dans la vie. Il y a des choses mieux que l'argent. On appelle au micro quelqu'un qui a travaillé toute une année pour atteindre son objectif. Vous êtes incapable d'applaudir. Vous jouez les airs. Avec vos tenues de Turquie et de Chine, il n'y a personne là qui a porté la tenue qui vient de Paris, que des chinoiseries. Et c'est avec ça que vous parlez fort aux gens. Vous essayez, vous êtes incapable d'applaudir. La Turquie, c'est un très bon pays. D'ailleurs, j'achète beaucoup en Turquie. Du Cameroun, nous les blogueurs, Canal 2, tu dois faire... Tu dois vraiment parler de ça du Cameroun. Hein? La reine galloise a eu le prix parce que je ne me suis pas encore réveillée depuis que je suis debout. Les gens sont assis là, Nadine Chopé, Chipi. Que je suis jalouse. Donc, toi, tu estimes que moi, je suis jalouse. Les Camerounais. Quand vous parlez de jalousie, tu crois qu'une fille qui est française comme moi, je peux jalouser quelqu'un qui est au Cameroun? Maman, j'ai l'odeur de Mbeng. Quand j'entre dans l'avion, je mets le parfum, ça sent bon. Je mets le lalalang quand je veux. Toi, tu dis que jalouse, je peux jalouser. Quelqu'un qui a ses papiers dans la peau, qui va le monde entier, je peux jalouser. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vrai, les filles qui sont au Cameroun, elles ont plus de moyens, mais elles n'ont pas de style. Elles n'ont pas de style, les filles qui sont au cou. La seule, ça veut dire que... Les deux filles que vous au pays qui ont le style que elles vivent en Europe, même leur maison. La plus belle, la fille camerounaise qui a la plus belle maison au Cameroun, c'est Coco Emilia. Parce que chez elle, c'est comme en Europe. Ce n'est pas chargé, les nappes partout là. Toi, tu me dis que jalouse quoi? Attends qu'elle va rentrer au Cameroun, tu vas me dire que tu es jalouse. Je vais jalouser quoi, maman? J'ai mes papiers là, je suis française. J'ai eu ma nationalité française en 2005. Je suis française depuis 2005. Toi, tu me dis que jalouse. Je vais jalouser quoi? On t'a écrit ma ligne pour prendre le visa. Je pars partout dans le monde. Parce que je demande aux gens d'applaudir. Pour toi, je suis jalouse. Où est la jalousie partout?
Tu penses une Française comme moi, elle peut jalouser quoi? Avec le Bordeaux qu'elle peut caoutchouter. Oha, une place. Hein? On vous demande d'applaudir, vous les Camerounais. Quand il y a un truc, apprenez à applaudir. Que quand on dit que Fleur de Lille, meilleure blogueuse de l'année au Canal d'Or, tu applaudis. J'ai dit que la fille qui a la plus belle maison au Cameroun, la plus belle, c'est Biscuit de Mer. Les autres, je ne connais pas leur intérieur. Parce que la majorité des femmes des riches là, elles sont trop dans les touffus, mon frère. Elles sont trop dans les choses beaucoup, beaucoup là. Voilà, Ducamé, c'est mon fils, c'est mon petit frère. Il dit que la reine mère n'est jamais jalouse parce qu'il me connaît. Maman a français, ezalaka fuente, ozalaka, ozalaka chimamelu, ozalaka na française, c'est le kaolo. Ce n'est pas les leurs. D'accord? Toi, tu es jalouse. Maman, que je prends mon billet avec pas où je veux. Je pars où je veux, la semaine prochaine, je m'en vais en Afrique. Toi, tu me dis quoi? Je serai assise au Togo. Je m'en vais au Togo, là. Je fais le tour. Je quitte au Togo, je pars au Bénin. Toi, tu me racontes quoi que je suis jalouse. Et la coupe, et je dis et je persiste et j'insiste. J'arrive au Cameroun, ouvrir mon club échangiste. Ce club sera un club haut de gamme pendant la CAN. L'inauguration, c'est à l'ouverture. Tous les footballeurs professionnels, si vous avez besoin d'un bon massage, massage papillon, massage aux huiles essentielles, massage aux jus de carotte, vous passez à mon club. J'aurai les filles et les gars, les bons décors. Chaque fille sera américaine ou française. Je ne prends pas les filles du Cameroun. Parce qu'elles sont là, elles vont chercher le mariage. Jamais. Je suis la maman, je suis la patronne. Les filles viendront du monde entier. Vous allez choisir sur photo. Il n'y a pas que ça, c'est la vitrine. C'est ça qui est ça. J'ouvre ma vitrine. Elles seront positionnées. J'ouvre ma vitrine. Vous avez compris avec quoi? Pendant la CAN. Du camer, tu peux être décor, hein, si tu veux. Tu viens, tu sois décor, tu travailles dans mon club échangiste. Je veux les filles qui vont débarquer comme décor dans mon club échangiste. J'ouvre ça là. Inauguration, le même jour de la CAN. Je vais rester au Cameroun jusqu'à la dernière équipe qu'on va chasser. Mon équipe, j'ai deux équipes que je vais soutenir. Oha, Cameroun, Côte d'Ivoire. Togo, Bénin, 4, le Nanja, les Nigériens. Je vais rester au Cameroun, je vais taper. Donc, du Cameroun, tu seras décor dans mon club échangiste. Parce que j'ai d'abord un gars que les gars, que les femmes aiment. Les filles qui veulent être décor, qui vivent en Bénin avec les papiers. Vous envoyez votre candidature. Je vais faire un direct spécial pour recrutement. Pour recruter les filles. Et dans mon club échangiste, tu entres, tu sors, tu parles quelque chose. On finit avec toi. Tu es une comédienne, t'es noyau. Comédienne de quoi? Deux équipes. Oui. Pendant qu'ils sont au stade en train de jouer la Coupe du Monde, dans mon club échangiste, on va jouer au roi. Dev Chavum. Du Camer, tu me cherches les gars à Placali, les tablettes de chocolat. Je ne veux pas les gars s'émoule dans mon club échangiste au Cameroun. Un mois. Tous celles qui veulent travailler pour moi, vous envoyez vos dossiers. Je vais lancer un direct spécial. Ceux qui veulent aller au Cameroun, qui vivent en diaspora, vous allez appeler. Je vais noter vos noms. On va demander le visa ensemble, groupé. Moi, j'arrive avant. Je commence à préparer le terrain. Je commence à tâter le terrain pour voir. Les filles qui sont au pays, là,
vous aurez quoi. Il n'y aura pas match entre vous et nous. Parce que nous, d'abord, on aime Bengis, le Kaolo. Nous, d'abord, on demande que, ah, il fait quel temps en Europe? En ce moment, il fait quel temps? C'est l'hiver, c'est l'été. Donc, les gars vont nous demander ça. Mais pour qu'il y ait au pays, là, même, dis donc. On sait là qu'il fait chaud, il pleut. À nous. Ben, écoute, Fleur de Lille, il fait quel temps en Europe en ce moment? Ben, il fait chaud, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'été. Tu étais sur les champs? Non, je n'étais pas sur les champs, j'étais à Château d'Eau, j'étais à Château Rouge. Vous allez parler quoi? Les gars qui sont au pays. Non, je m'en vais à Yoma Bank. J'étais à Omisport, toujours les mots, on va parler de l'hiver, on parle du printemps, on parle de l'été. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme vous, les filles du pays, vous aimez arracher les gars. Je dis que moi, je viens m'asseoir, je jette mon papier français, m'assois au village, cherche le mariage. Tapez ma main. Si elle rentre du pays, qu'elle ne suis pas mariée ou fiancée, tapez ici, non, ouais. Si quelqu'un me voit, que je suis dans mes mapanes, Fleur de Lys et toi, avec tes gifles, tu ne vas pas comprendre. Si vous me voyez dans mes mapanes au pays en train de chercher mon mariage, je ne veux pas entendre la reine, mais c'est toi qui vois sur Facebook, je t'aime. Quelqu'un prononce Facebook à côté de moi. Tu aurais compris, non? Les vrais gens n'aiment pas Facebook, maman. La personne qui va tenter. Maman, comme un jour, j'étais dans le taxi, maman, dans le taxi. C'était vers à quoi? Une dame était dans sa grosse voiture, les femmes des riches, là. Où c'était, elle a remarqué que c'était moi. Maman, dans le taxi, on remarque quelqu'un. C'est comme ça qu'elle a bloqué la route. Ma femme! Maman était là. J'étais dans le taxi jaune. Maman, elle dit que la reine est notre ma faux. Tu ne peux pas rouler dans la carte voiture si sort. J'habite à Bona prison. Il y a ton vin, il y a ton champagne. Arrêtez de me proposer l'alcool. Moi, je ne bois pas. Il y a ton vin. Donc, quand vous me regardez, je ressens une fille qui boit. Ma faute, il y a ton champagne. On pa... Maman, celle-là, non. Je suis restée comme ça au milieu de la route. Elle a garé. Une autre encore. Un autre jour. Elle a garé. Elle travaille à quoi là? Ce qui est jaune au Cameroun là. On appelle ça quoi? On envoie les colis. C'est jaune. Un DHL. Un jour, elle a garé sa grosse voiture. J'étais où encore? Elle a garé, elle est sortie, oh Doudou, oh, Doudou nous a fait ça, Doudou Ngamba trahison de ça. Elle a commencé à pleurer. Elle dit que non, pas Doudou. Doudou a fait ça. Et Flore, pourquoi tu n'as pas la chance? Moi, il a regardé, c'est moi. Maman, oh Doudou, oh, Doudou nous a fait ça, maman. Elle a crié au milieu du boudron. J'étais seulement là comme ça. C'était la directrice de DHL. Mm-hmm. J'avais encore vu l'autre. Elle était directrice de Bolloré. Bolloré. Elle gère les trucs du port là. Elle m'a amenée dans un bon restaurant. Elle était avec ses enfants. Oh ma reine mère. Ben écoute, ben, je veux que tu viennes à Kribi. Une semaine, je te paye tout. Votre ma foi, maman, j'ai les côtés. C'est seulement comme je suis encore dans le quartier que je me mélange avec vous. Maman, si j'étais alors le genre que je joue le roi. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus les histoires du quartier. Je vise loin. Laisse-moi m'asseoir comme ça. Oui. Excusez-moi du foie gras. Vos histoires de runagre. Je vais lui dire donc Périllon du cristal. Maman. Comme je me mélange avec vous sur Facebook, vous pensez que non. Je suis vue du quartier, je suis dans l'alcool, machin, tout ça. Non, je ne suis pas comme ça. Je m'en vais dormir, on se dit à tout à l'heure. Mais les canals d'or international, monsieur Ngushinge, la personne qui a canal 2, on l'appelle comment, non?
directeur de ça. La personne qui va me tenter que elle me voit en route et dit que Flanelle, je m'en vais chercher le mariage. Donc vous voilà. Comme depuis que j'avais vos personnes, on m'a jamais présenté son frère. Si quelqu'un me dit ma fou, je veux. Oui. Flanelle, mais ma fou. Si je suis avec mon gars, ne tentez pas. Si je suis seule, je ne vais pas encore vous laisser. Imaginez la purité. Si je suis seule, je ne vais pas encore accepter vos histoires-là. Mais si je suis avec mon gars, ma calama bobé, ma faute. Je vais te raser, tu vas comprendre. Maman, je dis que j'ai envie de faire une déco. Déco, là, du jaune. Ouais, du jaune. Du jaune, c'est beau, non? Du jaune gris. Pardon, réveillez-moi, mais elle dormit. Je dors. Je me réveille. Je pars chez maman Féfé. Mais je suis énervée. Nous avons le droit, les blogueurs, d'avoir leur canal d'or. C'est tout. Bisous. Tout à l'heure, je vous y offre. Maman, les canals d'or, maman, apparemment, on écarte avant de passer. Eh, la reine galloise, ma reine, tu mérites, mon bébé. Tu mérites, je suis fière de toi. Parce que quand on dit ça, reine galloise, toujours, on dira fleur de lys. On peut m'associer mon nom à toi parce que tu mérites. Le reste, là, c'est le vrac. Lucu, Luc. Vrai de quoi? Bah oui, est-ce que j'ai dit? Oh, ah, oui. Non, mais tu dis que ton oui, chéri, on dirait que j'ai quelqu'un dans mon cou. Bah oui. Arrête ça. Ça va? Oui. Il dort, il va finir à quelle heure? Il va. Oh, recule-toi, j'aime dormir derrière, s'il te plaît. Tu regardes quoi? Non, je voulais appeler. Ouais, je vais dormir derrière. Ouais, on va chercher les légumes, le maïs. Quand il va sortir, il met les trucs dans ta voiture. Oui, il m'a dit, ouais. D'accord, ok, je vais me déshabiller, je dors. Ah, on va aller tes boucles. Il est quelle heure? Mes boucles, ouais. C'est le plaqué, hein. C'est l'or. C'est l'or, là, ouais. Ouais, c'est l'or, je les mets tout le temps. T'as vu la belle montre qu'on m'a offert? Ah ouais. Une montre suisse. Maman, tu as vu la montre, là? Maman, le goût de ça. Ça, t'as vu ça? Mm-hmm.